choisir le bon moment de partir nos patinoires, c'est attendre une température de moins 5 degrés à moins 10 degrés sur plusieurs jours, là. Il y a plusieurs choses à considérer, surtout la surface. On a des surfaces en criblure de pierre, on a des surfaces en asphalte, on a des surfaces asphaltées acryliques. Puis nos patinoires, le trois quarts de nos patinoires, sont conçus pour le rollerblade durant l'été. On a des surfaces qui ont un centre courbé pour pouvoir permettre l'égouttement de l'eau durant l'été. Donc, il faut penser qu'avant d'avoir un pouce de glace dans le centre d'une patinoire, il faut remplir tout l'écart qu'on a, des fois jusqu'à 5 pouces d'eau, pour pouvoir commencer à faire une patinoire. Plusieurs façons de faire, soit partir directement et remplir d'eau par petite couche, ce qui est quand même relativement très long, ou attendre une bordée de neige qui nous permet de remplir cet écart, la compacter pour enlever l'air à l'intérieur de la neige, attendre qu'elle durcisse, ensuite arriver et noyer cette neige, attendre encore une fois que ça durcisse, pour ensuite mettre quelques couches d'eau pour atteindre un niveau de glace environ un pouce après le centre de la glace. C'est sûr que durant la saison, il y a des redoux. La complexité de notre ouvrage, c'est la vitesse de l'intervention puis la température. Il faut que tout ça s'arrime ensemble. À Terrebonne, on a des fois des différences de température qu'on peut voir sur notre territoire de jusqu'à 3 degrés entre le secteur qui est à la plaine, en bas d'un plateau, et le secteur du centre, dans le coin d'Armand-Corbeil ou dans l'est de la ville à La Chenaie. Le territoire est immense, puis on veut vous offrir le service le plus rapidement possible. Si Dame Nature est notre bord, si on peut avoir de la neige, puis beaucoup de froid, mais le tour est joué, là. 4 à 5 jours, on est parti.